ducks! Ducks in ducks! 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 Ducks in ducks! Pinaille avec toi! Énormément! Yeah. Ducks, accélérateur! Donc nous sommes l'association AV Bagacom, LEC 22, PPF de Bavé. On a été gentiment invités sur ce très beau site pour faire vivre un peu, faire certainement connaître plus de certaines personnes qui ne connaissaient peut-être pas dans les environs. C'est important pour nous de refaire vivre les sites archéologiques romains. Les ordres ne sont donnés qu'en latin. Latin très simplifié parce que dans les rangs à l'époque, notre légion représente une légion de 80 après Jésus-Christ sous l'empereur Titus. Donc dans les rangs, il y a un peu de tout. Il y a des Romains, des Gaulois, des Germains, des Grecs. Donc les ordres sont simplifiés pour que tout le monde puisse les comprendre. Les gars, salutate! Pia et Fidelis! Pia et Fidelis! Romain et Carlin! Romain et Carlin! En 80, en fait, nous sommes pendant la Pax Romana, donc la paix romaine, et on sert surtout de troupes de défense sur les différentes positions fortifiées qui sont aux frontières, en fait. Il y a les contuberniums, qui sont des petites tentes pour légionnaires. Ils peuvent accueillir 8 légionnaires et 2 esclaves. Parce qu'en fait, dans une centurie, il n'y a pas 100 soldats, mais il y a 80 soldats et 20 esclaves qui aident les légionnaires à la vie de camp, à entretenir le matériel. Donc ici, il y a sa plaque d'esclave. C'est l'esclave de notre légat. C'est une plaque d'appartenance. Si on me retrouve, on me ramène sur le Rhin, là où est basé mon patron propriétaire. Et vous avez un prétorium, c'est la tente des officiers. Sur des petits campements comme ça, ça arrivait que les compagnes des légionnaires suivent leurs compagnons, à l'époque par leur mari, parce que les légionnaires ne pouvaient pas se marier pendant leur service. Donc ils suivaient leurs compagnons quand le camp était installé. Sinon, sur des petits campements, rase campagne, dans des petits forts faits pour une journée, il n'y avait pas de femmes. Mais après, dans les grands forts, la première chose arrivée, c'était les loupas et les marchands. Les loupas sont des prostituées, donc oui, il y avait des femmes sur les grands camps romains. Je suis en train de faire de la farine. On met des graines. On les met ici au milieu. Donc on fait bien attention que les graines soient bien en dessous de la pierre. On écrase les grains. Donc au final, ça va faire de la farine que nous allons tamiser avec ceci. Et ça va donner cette belle farine pour ensuite pouvoir faire notre pain. Il y a certaines pièces d'équipement sur nous qui sont fabriquées chez nous par nos artisans. Et des pièces que l'on achète directement sur internet parce que c'est trop compliqué à faire. Les glaives sont achetés, les sangles de glaives sont fabriqués en général par nos soins. La cuirasse que je porte, la cuirasse segmentée, la Loreca segmentata, est faite chez un de nos artisans, celle-ci. Les caligae que nous portons aux pieds sont faites par un de nos artisans aussi, donc chaussures cloutées. Les tuniques sont faites en général par quelqu'un de chez nous. En fait, en dessous de ma lorica, j'ai ce qu'on appelle une subarmalice. C'est une petite protection de cuir avec des petits ruches, donc des pendants, qui a été faite par quelqu'un de chez nous aussi. Les pilums sont faits chez nous, les boucliers sont faits chez nous. On essaye de faire vraiment tout ce qu'on peut par nos propres moyens, en fait. Je suis l'artisan de la 22e Légion romaine de Bavé. Artisan, je fabrique les caligas, les KCI, chaussures civiles, chaussures militaires, voilà, avec des clous.
Je suis en train d'en fabriquer une, justement. C'est la préparation d'une caliga. C'est du cuir de vache. Et la semelle est en croupion de cheval, avec des clous. Une paire de caliga, ça dure 6 mois à peu près, généralement, à cette époque-là. En général, il y a un problème d'accrochage de son. Donc il m'a dit, il faut me réparer ça. Ah, c'est trop souple, il faut me changer. Et voilà, donc j'obéis aux autres parce que je suis l'esclave, hein, quelque part. En général, c'est différent, en général. Un pilum. C'est un javelot que l'on jette sur l'ennemi. Quelle particularité d'avoir deux chevilles, une métallique et une en bois. Quand il est projeté, qu'il touche un obstacle quelconque, hein, que ce soit la terre, un bouclier ou autre, il casse. Il fait une articulation, il bloque donc ou le bouclier ou alors il sert d'entrave. Il ne peut pas être relancé puisqu'il est cassé. À chaque coup, ça casse. Voilà. Donc on est obligé de changer cette partie-là. Voilà, c'est un pilum et cette partie-là a cassé. Ça pouvait être placé derrière les lignes romaines, tirer par-dessus pour atteindre les lignes en face. Déjà, c'est énormément de recherches, grâce aussi à, justement à tout ce qui est archéologique. En fait, il y a des monuments romains comme la colonne Trajan, qui est en fait une immense colonne dans Rome, qui est sculptée de haut en bas. Et du coup, dessus, on revoit des équipements, des figures de combat. Ça nous apprend des choses. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça, comme la ville de Pompéi, qui est une énorme mine d'or pour nous, vu que énormément de choses sont très bien conservées dans la ville de Pompéi. C'est l'occasion effectivement pour nous de raconter au public
l'état de la connaissance, hein, c'est un terme un peu pompeux, mais enfin c'est ça, l'archéologie n'est pas une science exacte, hein, c'est une discipline qui se renouvelle régulièrement, d'où le fait qu'on fasse des fouilles, puisque bon, on saurait ce qu'on avait sous les pieds, on n'aurait jamais fait de fouilles. Bref, donc on apprend de plus en plus, on raconte à partir de là, donc de plus en plus au public, et au-delà, donc forcément, ce genre d'animation est là pour rassembler dans un cadre quand même qui va au-delà de l'archéologie au sens propre. Ça mobilise notamment tous les bénévoles qui participent aux fouilles du Bois Labbé, hein, parce que bon, il ne faut quand même pas oublier que ce site fonctionne pour beaucoup, voire même pour l'essentiel, grâce aux bénévolats, parce que c'est un site énorme et que bon, forcément l'équipe permanente est trop faible pour réaliser donc le travail sur une petite agglomération antique de 50 hectares. Ça mobilise également le monde associatif avec l'association Aoué Bagacoum, donc les légionnaires romains de Bavé, les bénévoles de la FATRA, donc la Fédération des archéologues du Talou et des régions avoisinantes. Voilà, ça mobilise beaucoup, beaucoup de monde. Briga est un site archéologique et qu'il n'y a rien de pire qu'un site archéologique mort. Donc forcément, un site archéologique, on y fait des fouilles, mais les fouilles ne sont pas tout. Les fouilles sont là pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé, et ensuite à nous donc de le raconter au public et donc d'animer le site. Et tant qu'à faire, effectivement, la Briga intemporelle, c'est quoi comme titre? Ça montre que Briga, c'est une ville, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage déjà depuis l'Antiquité, et on perpétue donc ce système, ce qui se fait aujourd'hui, donc avec la musique, avec le repas, etc. Donc c'est un endroit où les gens se retrouvent pour partager un moment de convivialité. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que ce site, qui à la base est un site archéologique, soit un site culturel au sens le plus large. À l'abandon du site, en fait, ils ont récupéré tous les murs. C'est pour ça qu'on n'a plus autant d'élévation qu'on pouvait avoir. Par contre, ici, ce petit bâtiment, il pouvait faire une dizaine de mètres de haut. Et le grand temple qu'on a derrière, il pouvait faire 25 mètres de haut, on va dire, allez, au moins aussi haut que les arbres en tout cas. Donc là, à peu près, on marche sur le sol antique, voilà, au niveau de la hauteur. C'est clair qu'aujourd'hui, le public a répondu très 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 nombreux à cette première journée du week-end, donc pour les visites, pour le repas, pour venir assister au concert, et c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai, je vous parlais des bénévoles là, qui participent énormément, qui sont d'ailleurs les moteurs donc, de l'aventure Bois Labbé. Les bénévoles, comme le nom l'indique, donc, ne sont pas payés, et le fait que le public afflue à ce genre de manifestation, c'est le remerciement qu'ils peuvent attendre. C'est-à-dire que voilà, les gens sont présents en masse pour voir le travail qu'ils ont effectué, et c'est le remerciement, c'est le salaire qu'ils auront par rapport au travail qu'ils auront fourni donc, bénévolement.